Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft faite pour des god mode et des one shot. Et je vous dis, c'est la première vidéo sur Minecraft. Et je suis trop content d'avoir fait cette vidéo là. Puis je vous dis là, c'est deux parce que moi j'utilise Upload Studio, puis c'est ça. Là, on attend bien et bien mon micro. Puis, si vous le remarquez, c'est ma première fois sur Xbox que je fais des vidéos. Voilà, donc je fais, on est dessus des puis c'est fait par des commandes de blocs. C'est ça. Donc, je vais vous montrer la première commande. Enchant arrobaxp sharpness 2. Je répète, enchant arrobaxp sharpness 2. Voilà, je vous laisse un peu de temps. Voilà, ouais, ça, la deuxième étape c'est de mettre un comparateur, puis c'est ça là. Mais vous pouvez le mettre, vous devriez mettre les commandes blocs à la bonne place comme j'ai mis, mais vous pouvez changer les effets que vous voulez. Puis c'est ça, donc je trouve ça cool moi, et c'est ça. Donc voilà, ouais, c'est ça. Vous pouvez pas le mettre ben comme faut, ça au moins ça l'aide dans les coins, puis pas comme collé sur les côtés. Donc je vais vous montrer la deuxième commande. Douce. Ouais, la deuxième commande, effect@xp-string 10 000 50 trous, pardon. Désolé, hein. J'ai un genre de truc de poignet dans ma gorge. Troisième commande, effect@xp régénération 10 223. Puis le string là, il est chiant parce qu'en fait, ouais, c'est ça. Effect@xp résistance 10 225. Voilà. Puis c'est juste pour vous dire que le string est un peu chiant parce qu'en fait vous pouvez pas mettre plus que 50 le level. C'est ça là. Effect@xp résistance 10 225, je vous répète. Aussi, effect@xp string 10 050. Ça peut pas être plus que ça parce que non, vous pouvez pas killer sur MCPE, je crois. Bof. Pas grave, mais au moins t'es shot par l'un de dragon, puis le wizard. Peut-être je vais vous montrer tantôt si j'ai le temps. Voilà. Je vous répète. Ah, mais le plus important pour tirer le gun mode, c'est la résistance, puis puis les régénérations, voilà. Effect@xp ult boost 10 225 comme les autres là. Voilà, ouais, ce que je voulais dire c'est que vous devez mettre la torche avant d'avoir écrit les commandes, genre tu poses des deux commandes puis après tu mets la torche mais sans les écrire dedans. Après un répéteur, voilà. C'est vrai, vous pouvez mettre n'importe quel cran, ça dérange pas. Puis dernière commande, effect@xp clear. Ça sert à enlever les effets. Par exemple, si je fais ça, oups, je suis tombé. Voilà. Quand je la jette, ça l'enlève. Puis quand je cherche par un autre objet, ça l'enlève. C'est pour ça que je vous dis, c'est une épée qui. C'est un OP sword qu'on appelle. Ah oui, ouais, je vais faire apparaître le wizard, mais je ne me souviens plus de la commande. Oh mec, ça coûte que là, ça presse en fait. J'ai que genre, il me reste 5 minutes. Au pire, si ça moi aussi, je le rate une seule fois dans Spookcraft. On va essayer avec le bouton. Je comprends pas. Mais
Ok, non, j'ai pas le temps, mais c'est à cause en fait que je l'ai mis en pacifique. Non, il est trop fort. Ou sinon, je vous laisserai vous. Désolé, c'est mon ami qui me gosse. C'est ça là. Oh non, oh attends, je vais me mettre pareil. Oh, mais mon ami là, il m'a empêché de le faire. Parce qu'en fait, que c'est mieux être tout seul quand vous faites des commandes de même avec la robaxp là. Parce que moi, en fait, je peux pas mettre Dashin en 2-3, sinon il compte pas pour un game attack. Donc, c'est ça. Voilà. Dégage, s'il te plaît. Désolé, c'est mon ami sur la Xbox qui fait n'importe quoi. Il voulait essayer son nouveau mode que ça. C'est une flèche que c'est une flèche mob que ça lance des moutons. Vous comprenez un peu là? C'est genre quand tu lances une flèche, ça fait spawn des moutons. C'est un peu bizarre. Mais là, je l'ai désactivé. Puis je vais vous laisser pour cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et j'aimerais plus des likes, mais aussi des abos. Donc, ciao!